Bonjour à tous, c'est Robert 87000, j'espère que vous allez très bien. Ce soir, je voulais vous proposer un pack opening. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un bon pack opening. Personnellement, je pense qu'il s'agit de l'ouverture de pack ayant des cartes avec un coût substantiel. C'est bon, là, je peux parler maintenant. C'est bon ? Donc, je vous disais, un bon pack opening, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement d'avoir énormément de très bons joueurs. Et je peux vous garantir que dans ce pack opening, vous n'allez pas être déçus. Bonjour à tous, c'est Robert 87000, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, je vous ai prévu un gros pack opening. J'espère avoir de la chance, les dernières fois c'était pas terrible, donc j'espère avoir quand même un minimum de chance. Je vais ouvrir pour 2 millions de crédits. Je vous ai juste caché les crédits tout simplement parce que je n'ai pas envie de me faire bloquer le compte. J'ai récupéré 5 millions hein, par mon partenaire de crédit pour fêter mes 5000 abonnés et je n'avais pas envie d'être bloqué sur ce compte là et en plus je vais m'en servir pour pouvoir faire des matchs de coupe ou des choses comme ça et tous les prochains pack opening pour laisser mon compte principal vraiment faire que de l'achat-revente et arrêter de diminuer puis remonter et pour vraiment voir mon évolution sur l'achat-revente. Je vous souhaite un bon pack opening à tous. Allez, on veut du lourd. Allez, il va falloir avoir du lourd là hein. Il va falloir avoir du lourd. Allez mon petit à là bas fais-moi rêver. Thiago Silva, c'est bon ça. Mais oui, ça c'est mon boy. That's my man ça. Voilà, ça c'est pas mal. Ça fait plaisir. Un petit Thiago Silva. Non, on va peut-être pas le vendre quand même. Mais ça fait plaisir. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Ah, oh, ça se vend, mais c'est pas exceptionnel. Mon petit hasard, donne-moi du trait. Oh, oh, oh Cavani Fontes. Et oui. Et oui, ça c'est bon, oui. Ah, enfin du lourd. Ouais, non, attends, on va regarder quand même combien il coûte. On va comparer prix. Ouais, ça se vend, ça se revend, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ça se revend, hein. ça fait plaisir en tout cas. Du bon gros Cavani, hein. Là, on peut être content, hein. Allez, ça va dans mon club, comme ça on l'aura. Ça, les 1000, on les prend aussi, et le reste, ça dégage. Allez, on a rien, plus 2-3 packs là, oh, même un petit peu plus, allez, 5-6 packs. Et c'est bon ça, un petit Sanchez et un petit Tevez dans le même pack, ça se prend, deux petits 85 quand même, avec en plus Tevez dans son nouveau club, c'est plutôt pas mal, moi je prends, c'est plutôt intéressant, fais voir combien il coûte notre ami à Sanchez. Alors, ouais, bah, voilà, il se vend quasiment au plus haut de sa fourchette de prix je pense. Et notre ami Tevez, eh ben ça a l'air d'être pareil, à 8000, c'est plutôt sympa, c'est un bon petit pack, ça c'est un pack qui me plaît bien ça, allez dans le club. J'ai déjà eu des footies là, j'espère qu'on va en avoir un autre, on en a déjà eu un, allez. Allez mon petit Griezmann. Quaresma footies. C'est bon ça, mais oui. Oh là 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 là, la grosse chatounette, la grosse chatounette. Aïe 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 aïe. Allez, combien tu coûtes mon petit Akewaresma? Est-ce que tu te vends déjà 400? Et il se vend. Et plus de 400 000 crédits de bénéfices. Vraiment gros coup de cul en ce moment. Ça c'est bon, allez au club. On n'a pas grand chose depuis tout à l'heure. J'espère qu'on va avoir un petit peu de chance. Allez, là ça serait bien. Là, on avait fait un énorme début. Ça serait bien que ça change un peu. Ouh, Eriksen, et oui. Et oui, ça c'est bon, ça. That's my man, ça. That's my man. Et oui. Oh là là, mon petit Eriksen. Oh, j'ai des petits problèmes de latence. Là, je suis sans fil. J'ai des petits problèmes de réseau. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Allez, allez, mais va. Mais tu vas me cliquer dessus, là. Ah, quand même, ça y est, c'est en train de marcher. Alors, comparer les prix. Mon petit Eriksen. Mais il se revend. C'est bien. Ça j'aime beaucoup. Oh, allez, hop, dans le club, avec tes copains. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Et on a beaucoup de cul. Bon, là, les deux derniers, pas grand-chose. Derrea, c'est bon, ça. C'est bon. Même si ça vaut plus grand-chose, un petit joueur à 85, ça fait toujours plaisir. Du footies. Tease, du footies. En fait, du foot.
footies, du footies. Jovinko! Ah, j'avais oublié qu'il y avait des joueurs de la Tour qui pouvaient être intéressants. C'est bon ça. Allez, qu'est-ce que je... Oh putain, c'est lent là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais là? Ah voilà, c'est pas trop tôt. Alors, combien il coûte ce petit Jovinko? Il n'y en a aucun sur le marché, c'est bon ça. J'espère que cette première partie du pack opening vous aura plu. Oui, évidemment, il y aura une deuxième partie. J'ai été obligé de raccourcir tellement que j'ai eu de grosses cartes. Et encore, vous ne voyez même pas tous ceux que j'ai eu à 83, 84, 85 que j'ai dû enlever tellement j'ai eu de la chance. Et donc, dans le deuxième, ben, on verra si j'ai autant de chance. Mais je ne vais pas vous spoiler un peu. J'ai eu plutôt de la chatounette encore. Allez, c'était Robert87000, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est mon plus gros pack opening. Ciao les gars.